sinon tu donnes le numéro de... Comment il a déjà les tickets? C'est un petit truc qui fait bruit comme ça. Ah ça. Mes amours, ça fait longtemps. Hein? Ça fait longtemps, je n'ai pas fait direct, hein, mais caviar même. De toute façon, les gens filent ici là. Les gens n'ont pas la possibilité de faire ça. Ah, d'accord. Donc, ils ne jouent pas à leur voiture. Donc, ils en profitent. Mes amours, mes caviar, mes champagnes. Mes caviar, mes champagnes. Connectez-vous. On dit quoi? On dit quoi, mes amours? Connectez-vous. Connectez-vous. On dit, je veux le numéro pour appeler. Il faut aller voir sur Live TV, ma chérie. En plus, même quand l'émission passe là, il y a le numéro. Il y a le numéro qui est affiché, ma chérie. Donc, folie. Folie. Elle dit, tu nous manques ainsi que notre, les thèmes abordés. Oui, les thèmes abordés là sont en vacances. Quand c'est les vacances, les thèmes aussi doivent être un peu en vacances. Mbalou Keita, merci. Merci. Oh là 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 là. Oh, oh mec, c'est quel téléphone qui sonne ici qui me dérange là? Oh, ma caviar Orly. Orly Seka, merci, merci pour tes 1000 étoiles. Sarah Kone, il a dit que mes caviars sont en train de tuer dans les étoiles comme ça. Sont en train de tuer dans les étoiles comme ça. Oui. On dit quoi, mes amours? Eh, Flo. Divina Massimo. Flo. Pardon, ferme. Aïe. Non, ici, là. Ferme la porte de la terrasse, là. Voilà. Oh, Antam Marie. Merci, merci, merci. Merci, Joy Amonzou. Kombela Del. Merci pour les étoiles. On dit les beaux petits directement. Paradise. Merci, Sandra Amor. Non, il dit que mes caviar vont me tuer. Aoli Seka. Il dit que Aoli Seka est en train de travailler. Un travaillement digne. Un travaillement digne. Il dit que mes caviar. Attends, elle dit mon nom aujourd'hui. J'ai dit nom de ceux qui envoient étoiles. Davila. Attends, j'ai dit nom de ceux qui envoient étoiles, ma chérie. Aminata Diallo, Davida Chanti, merci, merci pour les étoiles. Merci. Abigail, merci pour les étoiles. Esther Assi, merci, merci, merci. Merci pour les étoiles, vous êtes adorables. Paulette Mansa, merci, merci. J'ai dit que mes caviar. J'ai dit mes caviar, mes champagnes. J'ai tenu à faire un petit direct. Pour mettre quelques points sur les i. Pour mettre quelques points sur les i. Oui. Vous savez très bien que depuis un moment, ça va faire maintenant, c'est quoi, 2 semaines. Oh là là, oh l'Iseka, je sens que je te manque. Bisous câlin, Alette, Oulaï. Oh, vous êtes adorable, mes caviar. Sangaraka, Malaye, Meite, vous êtes adorable comme ça. On peut travailler sur sa coche comme ça. Rien tout. Mandacia, Brice EV. Oh non, 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 non. Vous me touchez, mes amours. Tonton Fodé Sissoko, merci. Kone Bolaï Arsène, merci. Donc, depuis 2 semaines, vous voyez que je fais une émission sur Live TV. Je fais une émission sur Live TV tous les soirs, du lundi au vendredi, à partir de 21h. Et par la grâce de Dieu, ça a un succès phénoménal. C'est-à-dire qu'on bat des records en termes de vues. Voilà, on a fini les vues. Voilà.
nos émissions, les vues, ça va rester dans l'histoire de la télévision ivoirienne, en particulier aussi de la télévision africaine en général. Voilà, parce que ce qui est en train de se faire là, c'est-à-dire une personne qui n'est pas journaliste de profession, qui n'a pas suivi une formation de journalisme ni d'animatrice ou animateur, et qui a pris, qui a une émission qui cartonne à ce point. Enfin, je dis, c'est à féliciter et je dis aussi merci à Dieu. Comprenez, je dis merci à Dieu pour ce succès et j'espère que ça va continuer parce que ça va continuer. Mais depuis quelques temps, depuis quelques jours, vous assistez avec moi à un comportement très yougos, voilà, un comportement très très déplacé, voilà, des gens qui appellent, hein, qui appellent exprès pour me parler mal, pour me déstabiliser. Enfin, moi, on peut pas me déstabiliser parce que je suis la Kelempe, voilà. Je suis la Kelempe, on peut pas me déstabiliser. Mais il y a des gens, en fait, comme hier, ce yougos, hier, ce yougos, ce dormeur dans le salon, celui-là même qui vit dans les ténèbres. Vous avez vu l'appel. C'est-à-dire que comment tu peux appeler quelqu'un? Comment tu peux appeler quelqu'un pendant son émission? Et tu dis, la personne te dit c'est pour poser question. Tu dis à la personne, toi-même façon tu es là, tu lâches dans ton émission. Enfin, je veux dire, est-ce que vous trouvez ça normal? C'est vrai, c'est drôle, on en rigole, mais est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un appelle une grande dame que je suis, celle-là même qui fait aujourd'hui la fierté de la télévision ivoirienne? Parce qu'il faut qu'on se le dise. Tu peux ne pas m'aimer. Je cherche même pas à plaire, parce que quand tu plais à tout le monde, c'est que tu n'as pas de chance, c'est que tu n'es pas né pour réussir. Donc il faut aussi que tu aies des ennemis. Ce sont les ennemis qui nous permettent en fait d'évoluer et d'être de plus en plus performants. Comprenez un peu le truc. Je cherche pas à plaire. Mais il dit, même si tu ne m'aimes pas là, il faut reconnaître quand même ce côté-là. Qu'il est fini avec ça. Quand on dit qu'il draine du monde là, voilà elle qui est assise là. Donc ce qu'elle fait au dû là, tu peux dire ce que tu veux. Elle n'a pas fait formation de télévision, d'animatrice, de temps. Mais il dit, on parle d'audience. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. On parle d'audience. Oui. Il n'a pas suivi formation de journaliste, d'animatrice ou animateur. Ok, il n'y a pas de souci. Mais quand on dit audience là, qui dit? Quand on dit audience là, qui dit? Ben, c'est de ça qu'il s'agit. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les gens, ils cherchent les choses authentiques. Attends, il a bloqué ça. Voilà. Bani. Voilà. On n'a pas le temps des crabes, des criquets, des sauterelles et des tilapias. Voilà, ici c'est les caviars. Ici c'est les caviars. Attends, il y a quelqu'un qui a posé question. Il y a le bloqué. Ah bon, ok. J'ai cru que c'était un yougo, il allait bloquer ça. On n'est pas ici avec des tilapias, des batraciens. Ici on est entre caviar, on est entre champagne. Ici, on se parfume. Ici, on sent bon. Ce n'est pas les djegaouroua, les trois chats, odeur même qui donne sinusite. Donc, s'il vous plaît, les yougos, allez voir ailleurs un peu. Là, ici, c'est une petite réunion. Voilà, c'est une petite réunion de... Attends, je vais bloquer ça. Voilà. Vous avez des femmes comme ça. Des femmes comme ça qui sont des photocopies. Ça veut dire qu'elles ou elles sont là. Ça fait des années, elles n'ont même pas encore touché 10 000. Ça fait des années, on n'a pas touché même 50 euros. Garçon même n'a jamais dit, tiens 10 000, tiens 50 euros. Bon, elles sont frustrées. Donc, quand elles viennent vers mon direct, elles mettent des commentaires frustrés, des commentaires sombres, comme leur vie. Moi, je bloque tout ça, je n'ai pas ce temps-là. Donc, c'est ça. Donc, vous allez parler là. Mais c'est de ça qu'il s'agit. On parle de la pratique. Voilà. Donc, la personne qui n'aime pas mon émission, là, elle passe son chemin. Je ne demande pas à tout le monde de suivre mon émission. Ma cible, c'est les caviars. Allô là, allô caviar là, c'est pour les caviars. C'est pas pour les djegaouroua, les koutoukou, non. Donc si ça ne te plaît pas là, tu zappes la chaîne, tu vas ailleurs. Tu vas regarder autre chose. Non, nous on est dans la qualité, on n'est pas dans la quantité. Donc, je ne peux pas dans mon émission
Et puis un yougos, un dormeur dans le salon va appeler pour me manquer de respect. Des gens qui appellent en fait, il y a des gens qui veulent saboter mon émission. Il y a des gens qui veulent boycotter mon émission. C'est-à-dire que qui passent, des, qui appellent pour dire des choses bizarres, pour faire un peu bizarre. Mais vous vous fatiguez. Vous vous fatiguez. Ben moi là, pour moi là, on appelle ça inspiration divine. Pour moi, on appelle ça don de Dieu. C'est Dieu qui m'a donné ça. C'est Dieu qui a sa main sur ce que je fais. Donc, quel que soit ce que vous allez faire, ça va pas arriver quelque part. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va filtrer. L'émission vivra. Vivra. Oui. Parce que c'est une émission qui cartonne. C'est une émission qui bat des records. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu vas parler, tu vas être assis dans ton salon, tu vas parler, tu vas gonfler ton nez, tu vas être jaloux. Mais il dit, voilà ça, dans la pratique, il est déjà, il est fini et ça. Et puis mon plateau déjà, tout déjà en fait sur mon plateau. Tout déjà sur mon plateau, le décor même du plateau va tuer. La personne même qui présente même l'émission va tuer. Tous les soirs, à son style, à son genre, à son tout. Voilà. Donc c'est ça. Ce n'est pas une Djagaouroua qui fait son émission. Ce n'est pas une Yigos qui fait son émission. C'est une caviar. C'est une caviar. Donc vous allez monter, vous allez descendre. Vous ne pourrez rien faire. Vous ne pourrez rien faire. Vous avez décidé de boycotter mon émission. Vous avez décidé de saboter mon émission. Vous vous fatiguez. Maintenant, on filtre les appels. Voilà. On filtre les appels. Ben, les sorciers veulent rentrer dans les appels là pour rendre mon émission un peu bizarre. Maintenant, on va filtrer. Et puis maintenant là, ça veut dire que j'ai pris une décision. Ça veut dire que maintenant là, toi qui appelles à mon émission pour dire des choses bizarres, Jean, tu veux me saboter là. On va retenir, c'est-à-dire qu'on va garder ton numéro. Je prends ton numéro là. Et puis j'affiche ça sur les réseaux sociaux. Et puis tu peux aller où tu veux. C'est-à-dire que toi qui appelles pour boycotter mon émission, toi qui appelles pour me manquer de respect dans mon émission là, ton numéro là, j'ai demandé à la régie de garder ça. Et puis quand j'ai fini mon émission là, je prends ton numéro là. Et puis j'affiche. Et puis ton numéro là, ton numéro là, on va trouver ton nom. On va trouver des informations sur ta personne. Et puis, je vais t'afficher sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'elle fait maintenant. Parce que vous pensez que quand vous appelez, et puis vous faites vos bêtises là, ça va rester comme ça. Maintenant, là, il va vous afficher. Toi qui veux m'appeler pour boycotter, là, je vais vous afficher. Il y a un même qui a appelé hier des États-Unis, un plaisantin. Tout ça là, c'est le club des Jatao. Le club même des aigris. Des choses même qui n'ont ni tête ni queue. Qui n'ont ni tête ni queue. Quand il devait commencer mon émission, là, ça parlait, ça jacassait. Oh, c'est quelle émission ça? C'est quelle émission ça? Ils ont tout fait. Le premier jour de mon émission, là, les jaloux ont tout fait. Ils ont pris des parties, ils ont envoyé ça à la AKA pour mettre fin à mon émission, pour que mon émission soit annulée. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Parce que ceux qui sont là-bas, là, je les dis toujours, je dis, ce sont les êtres humains. Ce sont des êtres humains. Eux-mêmes, ils voient que derrière mon émission, là, c'est pas quelque chose de mauvais. Voilà. C'est un divertissement. C'est pour permettre aux gens aussi d'appeler, raconter leurs problèmes, leur histoire. C'est aussi une thérapie, en fait, le fait d'appeler et puis raconter son histoire. C'est aussi une thérapie. Donc, la démarche même dans cette histoire-là, c'est une bonne démarche. L'intention est bonne. C'est une très belle émission. Elle est suivie partout dans le monde entier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir de 21h, ça fait 23h en Europe, il y a des caviars qui doivent aller au travail, mais qui ne vont pas dormir, qui attendent l'émission jusqu'à la fin de l'émission. C'est une émission qui est suivie partout dans le monde entier. Que tu sois au Sénégal, en Guinée, au Mali, partout, au Togo, partout, aux États-Unis, au Canada, partout, l'émission là est suivie. Donc c'est une émission qui intéresse. C'est une émission qui fait plaisir. Parce qu'on dit quand tu fais quelque chose qui est bon là, ça se voit par les vues. Ça se voit par l'audience. Je fais la plus grosse audience ici en Côte d'Ivoire.
et dans le monde, c'est-à-dire que dans l'Afrique, dans toute l'Afrique, là, il fait la plus grosse audience en ce moment-là. Ce qui veut dire que ce qu'il fait là, ça plaît. Ce qu'il fait là, les gens aiment ça. C'est une thérapie. Les gens ont trop de problèmes. Les gens sont trop stressés dans leur maison. Les gens ont trop de problèmes. Les gens ont besoin de rire. Les gens ont besoin de s'éclater. Les gens ont besoin de s'amuser. Et donc, quand ils viennent comme ça, regarder mon émission, ils oublient un peu leurs problèmes. Ils oublient leur réalité. C'est ça, en fait, le but de mon émission. C'est pour ça que l'émission cartonne. Donc, vous, là, vous voulez boycotter pourquoi? Vous voulez boycotter pourquoi? Depuis des années, vous êtes derrière moi. Vous voulez me boycotter, vous voulez tout faire, mais ça ne va pas. Puisque au fur et à mesure que le temps passe, il monte. Vous-même, vous devez comprendre qu'il y a Dieu derrière ça. Vous devez comprendre qu'il y a Dieu derrière ça. Mais vous n'avez pas encore compris, vous continuez. Sur les réseaux sociaux, vous avez fait jusqu'à ça n'a pas marché. Maintenant, à la télé, encore, vous voulez venir à la télé. Ça ne va pas marcher. Où je suis arrivé là, c'est trop loin. Ce qui va venir là, c'est trop. Vous ne pourrez rien. Donc, s'il vous plaît, si mon émission ne vous intéresse pas, ne regardez pas. Si mon émission ne vous intéresse pas, ne venez pas appeler. Parce que les numéros qu'on met là, c'est pour que les caviars appellent. C'est pas pour que n'importe qui appelle. Si tu n'es pas caviar, faut pas appeler. Parce que c'est pas pour toi qu'on a mis les numéros. C'est pour les caviars. C'est-à-dire que vous-même, vous entendez « Allô, caviar ». Allô, caviar. Ça veut dire que c'est pour les caviars. On n'a pas dit allô, Djagaouroua. On n'a pas dit allô, Magne. On n'a pas dit allô, Bailoc, Poisse. On n'a pas dit ça. Donc, pourquoi vous venez nous emmerder dans notre émission? Pourquoi vous venez nous emmerder dans notre émission? Hein? Allez voir ailleurs. Hein? Il y a votre public quelque part là-bas. Allez voir ailleurs, même là. Là, je n'ai même pas prévenu. Je n'ai même pas prévenu. Je suis en train de faire un petit direct. On a plus de 7000 personnes connectées. Un direct surprise. Je suis la Kelempe. Je suis la Deichikan. Inspiration divine. Il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun là, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Je suis celle-là même qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Et je suis en train de prendre le pouvoir à la télé. C'est quoi ça? Et je vais toujours prendre le pouvoir. Comme je vous dis, j'ai dit, moi là, ma réussite là, mon parcours est limpide. Mon parcours est propre. Je n'ai pas piétiné quelqu'un pour réussir. Je n'ai pas dénigré quelqu'un pour réussir. Je n'ai pas voulu salir quelqu'un pour réussir. Je n'ai pas voulu détruire quelqu'un pour réussir. J'ai réussi par mon talent, par ma transpiration, par mes idées, mon intelligence. Parce qu'un maçon et puis aborde un thème là. Tu veux pas. Quand toi-même tu écoutes, tu sais qu'il est tué. Voilà. Donc là, c'est mon travail qui m'a amené là où je suis. C'est mon intelligence qui m'a amené là où je suis. C'est pas les trucs de sabotage, les trucs de détruire les autres, faire du mal aux autres là. Donc mon parcours est limpide. Mon parcours est propre. Tout le monde a vu comment il a commencé sur la toile. Tout le monde voit comment c'est. Attends, il a bloqué ça. Voilà. On n'a pas le temps, on bloque les gens. On bloque les Yougos, les Batraciens, les jaloux. Ceux qui sont nés pour rester dans l'ombre. Moi, je n'ai pas le temps. Parce qu'eux, ils sont là, ils sont nés pour rester dans l'ombre. C'est des éternels aigris. Les éternels jaloux. On n'a pas le temps. Eux, ils sont là pour souffrir. Nous, on est là pour triompher. On est là pour régner. On appelle ça la lumière. Il y a quelqu'un qui dit, ramène les lunettes de coraux à bout. Ah, c'est les lunettes de coraux à bout. Hein? Sinon, ça là, c'est Gucci qui a créé ça, hein? Je ne savais pas que c'était pour quelqu'un d'autre. Les amours, j'ai pris des tickets. J'ai pris des tickets pour des caviars, pour aller au concert de VDA. Demain, il y a le concert de VDA, de mes bébés VDA, au Palais de la Culture.
Voilà, j'ai pris des tickets VVIP. Voilà, parce que je vous respecte. Je vous respecte, je vous considère. Je ne peux pas prendre des tickets bizarres pour vous. Donc, j'ai pris des tickets VVIP. C'est-à-dire que les meilleurs tickets, ceux qui sont même devant, j'ai pris des tickets pour vous. Donc, vous allez contacter un numéro. Vous allez contacter un numéro et on va vous livrer. On va vous livrer votre ticket. Mais la livraison, là, c'est vous qui payez. Hein? Ce n'est pas la personne qui paye. C'est vous qui payez la livraison. Vous comprenez un peu? Donc, vous allez contacter un numéro. Pour ceux qui veulent aller au concert de VDA demain, vous appelez ce numéro-là. Et puis, on vous envoie votre ticket. Voilà. Mais c'est vous qui payez la livraison. Hein? Attends. Oh, où est le numéro là même? Attendez. Voilà. Donc, ceux qui veulent assister au concert de VDA demain, j'ai pris des tickets VVIP pour vous. Vous composez le 07 07 98 2 x 11. Je répète. 07 07 98 2 x 11. J'ai aussi pris des tickets pour le concert de Lady Glams. Lady Glam, c'est-à-dire que Tina Glamour, j'ai aussi pris des tickets pour elle. Pour ceux qui veulent aussi assister au concert de Lady Glams au Palais de la Culture le 12 août, vous pouvez aussi appeler ce numéro-là. Vous appelez ce numéro et on vous livre vos tickets ou bien vous venez chercher, c'est comme vous voulez. Mais vous allez régler ça avec la personne. Vous composez le 07 07 98 2 x 11. Je répète, 07 07 98 2 x 11. Vous avez compris mes caviar? Oui, mes champagnes. Donc ce soir, ça va crépiter. Ce soir, ça va crépiter parce que il y a Tina Glamour, c'est-à-dire Lady Glams, qui a voulu revenir dans l'émission parce qu'elle veut s'adresser à la nation. Elle veut parler à la nation. Elle a des choses à dire. Elle dit qu'elle a des choses à dire au peuple ivoirien, au peuple africain. Donc je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Tu peux revenir. Donc ce soir, l'invité détaille. C'est Lady Glams. Elle va s'adresser à vous. Elle va s'exprimer. Je ne sais pas ce qu'elle a à dire, mais en tout cas, ça sera du balèze. Ça sera du balèze. Donc, rendez-vous ce soir à partir de 21h, heure d'Abidjan, et 23h, heure d'Europe. Et maintenant, les autres pays, je ne sais pas encore, mais en tout cas, vous êtes habitués, donc vous savez à quelle heure ça passe. Rendez-vous ce soir pour le fourramponnement, pour le fracassement. Hein, casser encore la baraque. Hein, casser encore la baraque. On sera encore dans les records. Oui, c'est quoi, on sait. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Les moutons se promènent ensemble, ils n'ont pas le même prix. Quand quelqu'un cartonne, il faut respecter la personne. Maintenant, les Jatao, les Yougos, si vous n'êtes pas intéressé par l'émission là, ne venez pas regarder. Si vous n'êtes pas intéressé par l'émission là, ne venez pas appeler. Les numéros qu'on a mis là, c'est pour les caviars. C'est pas pour n'importe qui. Donc, ne venez pas nous déranger pendant notre émission. Ceux qui veulent saboter là, on a déjà vu dans votre jeu. On a déjà vu dans votre jeu. On sait que vous voulez saboter l'émission, on a déjà vu. Donc, ne venez plus appeler. On n'a pas besoin de vous. Allez loin. Arrêtez de distraire. Il y a des millions et des millions de gens qui veulent suivre l'émission, qui sont intéressés. Vous là, quittez là. Vous êtes une minorité. Vous êtes né pour rester dans les ténèbres. Vous vivez dans les ténèbres parce que vous êtes rempli de haine. Vous êtes rempli d'aigreur. Votre vie, vous n'avez pas une belle vie. Vous souffrez. Vous êtes seul. Vous êtes isolé. Vous n'êtes pas aimé. Donc, vous voulez propager la haine. Allez loin avec votre haine. On n'a pas besoin de vous. Nous, là, nous, c'est l'amour. Nous, c'est la bénédiction. Nous, c'est la réussite. C'est le succès. Donc, laissez-nous entre nous caviar. C'est l'émission des caviars. C'est pas l'émission de n'importe qui. Donc, les Yougos, allez voir ailleurs. Allez voir ailleurs. On n'a pas besoin de vous. À partir d'aujourd'hui, là, ceux qui vont appeler pour boycotter l'émission, ceux qui vont appeler pour me manquer de respect, votre numéro, là, on va prendre ça. On va retrouver votre identité. Et puis, on va vous afficher sur la toile. Puisque vous voulez faire, là, on va faire. Vous avez compris? Voilà. Ben, ça a trop duré. Ça a trop duré. On ne vous a pas appelé dans notre émission. Mais caviar, donc vous appelez ces numéros-là pour prendre les billets, pour prendre les tickets. Demain, pour aller au concert de VDA. Et le 12 août, pour aller au concert de Lady Glams
Vous avez compris? En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et puis, à ce soir, à 21h sur Life TV. 21h sur Life TV. Ceux qui ont canal. Ceux qui ont canal, attendez, je vous dis tout de suite. Je vous dis tout de suite. Voilà, ceux qui ont canal. La TNT, c'est 206. C'est, non, c'est quoi là? Attendez, hein, je vous dis. Je vous dis, mes amours. Vous voyez, quand tu cherches un numéro. Quand tu cherches un numéro. Bon, c'est qu'elle sur. C'est qu'elle sur. L'émission passe en direct. L'émission passe en direct sur mon, sur ma page Facebook. Et puis, toutes les informations sont là. On dit le numéro ne passe pas. Pourquoi ça ne passe pas? Ah bon, je me suis trompé. Attendez. Je vous redonne. 07. 2 fois 07. 98. 2 fois 11. Le numéro. 2 fois 07. 98. 2 fois 11. Voilà, c'est le numéro. Vous appelez. Et je suis habillée. Je suis habillée par mode ethnique. Mode ethnique. Voilà, ce style que j'ai frappé. C'est mode ethnique qui m'a habillée. C'est mode ethnique qui a fait le son. Gros bisous à vous, mes amours. Et merci à vous, mes caviars, pour les étoiles. Merci pour toutes les étoiles. Que Dieu vous le rende au centuple. Et puis à ce soir, à bisous. Ciao, ciao, ciao.